Bonjour à tous, je suis évidemment ravi d'être présent ici ce soir pour vous présenter Eline. Alors Eline, pour la petite histoire, a 3 ans quasiment également, jour pour jour ici. Ça a fait l'objet d'une rencontre avec les équipes de Google France qui ont identifié notre savoir-faire historique dans l'accompagnement des réseaux, groupements et franchises d'entreprises, avec notamment Michel Failly qui est associé dans la structure et qui est membre à la Fédération Française de la Franchise. Et puis également, je co-dirige une structure qui s'appelle 1789.fr et qui gère déjà des budgets assez conséquents en AdWords. Ils ont tout de suite adhéré à l'idée d'une plateforme qui permette de déployer de manière automatisée des campagnes digitales au sein des réseaux et notamment pouvoir faciliter l'accessibilité de ce type de campagne aux franchisés. Donc ils nous ont positionnés dans leur accélérateur, on a créé la structure et puis nous avons démarré l'aventure. Alors Eline, c'est aussi et surtout une équipe, aujourd'hui de 15 personnes, donc on a des collaborateurs qui nous ont rejoints tout au fil de l'eau, des gens qui sont passionnés, qui sont hyper investis dans l'entreprise, et qui maîtrisent parfaitement les enjeux des réseaux. C'est aussi un appui technique, un accompagnement au quotidien du groupe Inouest, auquel on est rattaché, c'est 100 collaborateurs, et puis surtout un accès à certains lieux, notamment à San Francisco pour la recherche et le développement. Et puis c'est enfin Westway Valley, notre partenaire financier, qui nous a accompagnés lors de 2 levées de fonds, une première il y a 1 an et demi de 350 000 euros, et puis on vient de finaliser la deuxième d'1,2 million il y a quelques jours. Alors on était parti d'un constat, c'est la dichotomie qui existe sur la partie digitale entre la tête de réseau et les points de vente. Globalement, la tête de réseau, ce dont elle a besoin, c'est de digitaliser l'ensemble de son réseau. Elle a toujours un enjeu, évidemment, des enjeux extrêmement forts autour des coûts, et puis des problématiques de maîtrise de l'image de marque et de la manière dont elle va être redescendue au sein des réseaux. Et puis les points de vente locaux, donc les franchisés, ils n'ont pas tout le temps, ça progresse fortement, mais des compétences qui sont parfois assez limitées en termes de maîtrise des outils du digital. Ils ont besoin d'indépendance parce que ce sont évidemment tous des chefs d'entreprise. Ils aiment être pilotés par le ROI, en tout cas qu'on soit en capacité de pouvoir leur prouver la pertinence des opérations qui sont mises en place. Ils sont en attente en termes d'économie, ça c'était un enjeu qui était extrêmement fort sur la plateforme. Et puis ils ont des ressources qui sont évidemment limitées, et en termes financiers et humaines. Donc on se retrouve en règle générale avec des têtes de réseau qui sont bien structurées, avec des équipes digitales, marketing, qui maîtrisent les enjeux de communication, et puis les franchiseurs locaux qui vont avoir plus de difficultés à mettre en œuvre ce type de stratégie. D'où la réponse d'une plateforme technique qui permet autour de 3 modules de pouvoir gérer des campagnes digitales localisées, donc je vais vous présenter le mode de fonctionnement derrière, de pouvoir gérer la visibilité locale autour de fiches Google My Business, de Store Locator, de landing page et de à chaque point de vente. Et puis nous finalisons également un module de gestion de publication de contenu qui fonctionnera sur la même mécanique, c'est-à-dire la personnalisation des contenus depuis la tête de réseau jusqu'au point de vente. Alors voilà, une data qui présente le mode de fonctionnement. On contractualise avec la tête de réseau, on élabore la stratégie digitale, on déploie des campagnes AdWords, Display, YouTube, Facebook, Instagram. On va intégrer en base de données l'ensemble des points de vente avec toutes les problématiques liées à la géolocalisation. Donc on va spécifier de manière extrêmement précise la localisation de chaque point de vente, toutes les spécificités locales de services ou produits proposés. Et puis la plateforme va déployer automatiquement des comptes publicitaires sur chaque point de vente avec des campagnes qui sont personnalisées et géolocalisées. Le point de vente est indépendant dans la capacité à pouvoir déclencher des campagnes et la plateforme permet également de pouvoir déployer de manière égalitaire ou discriminante le budget des têtes de réseau vers les points de vente. Chaque point de vente a accès à ses propres statistiques et la tête de réseau a une vue macro sur l'ensemble des statistiques de son réseau et puis peut descendre évidemment à une vue de chaque point de vente. Des cas clients, parce que je pense que c'est nos clients qui reflètent depuis le lancement de l'entreprise la capacité et la pertinence de celle-ci. Un client historique qui est quasiment là depuis le début, Speedburger, un réseau d'une 50aine de points de vente. L'intérêt là, de ce réseau-là, c'est que les 3/4 des campagnes sont générées depuis site e-commerce, donc on est en capacité de pouvoir remonter le chiffre généré par nos campagnes. Et on est sur un ROI de 12, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un point de vente investit 1 euro dans nos campagnes, on génère 12 euros de chiffre d'affaires. Un deuxième exemple, Triba, qui nous a rejoint l'année dernière, un réseau assez conséquent, parce qu'il y a un peu plus de 100 points de vente. Il nous avait challengé pour obtenir un coût lead inférieur à 30 euros. On est aujourd'hui sur une moyenne qui est comprise entre 25 et 27 euros. Et dès la première année, on a activé un peu plus de 60% des franchisés sur nos campagnes.
HydroSud, qui est un cas intéressant, parce qu'ils sont sujets à de très fortes saisonnalités. Ils sont fournisseurs de piscines et d'accessoires autour de la piscine. Et là, ils nous avaient challengé sur la capacité qu'on a à mesurer des KPI autour des remontées de formulaires de devis, de contacts. On a également une solution de call tracking, donc on est capable d'identifier les appels générés depuis nos campagnes. Et puis également, les commandes e-commerce réalisées autour des accessoires. Sur une période de 4 mois, on a généré un peu plus de 2000 leads sur un ratio de 24 euros. Et puis sur des budgets qui sont assez conséquents, on est aujourd'hui également capable de pouvoir démontrer le nombre de visites générées grâce à nos campagnes publicitaires en point de vente physique. Et ça, c'est des solutions qui sont offertes par Google. DOK qui nous a mandaté sur le périmètre gestion des fiches Google My Business, qui est un enjeu parfois complexe à mettre en œuvre au sein des réseaux. Donc on a récupéré la maîtrise des fiches sur 4 mois, quasiment la totalité. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a interfacé à leur outil interne et ça nous permet de mettre à jour automatiquement l'ensemble des données des fiches et de déployer automatiquement également tous les nouveaux réseaux toutes les nouvelles agences qui rejoignent le réseau. Et puis dernier exemple, Alain Flemou qui nous a demandé en plus de la partie gestion des campagnes publicitaires de pouvoir mettre en œuvre un store locator. Donc c'est des mécaniques qui sont assez simples à mettre en œuvre. On capitalise toujours sur la base de données des points de vente qu'on a au sein de la plateforme pour pouvoir déployer le store locator, déployer les fiches Google My Business et puis déployer des campagnes publicitaires géolocalisées, ce qui permet de couvrir, quand un nouveau point de vente rejoint un réseau, de couvrir l'intégralité de ses besoins en termes de digital. Voilà, donc je finis sur les quelques références clients. Donc ça fait 3 ans qu'on a créé la structure, ça fait 2 ans qu'on la commercialise. On a aujourd'hui 35 clients, c'est un peu plus de 6500 points de vente déployés sur la plateforme. Des clients qui sont extrêmement fidèles puisqu'on les a tous renouvelés en fin d'année. Et puis on est sur un rythme d'accélération extrêmement fort puisqu'on a entre 2 et 3 têtes de réseau qui nous rejoignent chaque mois. Voilà, merci à tous.